Salut, salut! Alors aujourd'hui, je voulais montrer une petite astuce pour vous montrer si vous avez des talons comme celle-ci. Moi qui ai des grands talons à la maison, je suis folle de chaussures et je ne peux pas les porter continuellement toute la journée parce que j'ai des douleurs horribles en dessous des pieds, dans la plante des pieds et aux talons. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce pour pouvoir les porter plus longtemps sans souffrir. Donc la petite astuce d'aujourd'hui pour pouvoir porter des talons plus longtemps sans souffrir est tout simplement, vous allez en pharmacie ou parapharmacie et vous demandez un petit rouleau de scotch médical. Moi, c'est un petit rouleau, en fait, c'est un truc très pratique. C'est une espèce de bande, en fait, qui se colle entre elles et qui est super moelleuse, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire qu'elle est assez confortable. Ouh! Et vous leur demandez ça, tout simplement, vous allez mettre ensemble votre troisième et quatrième orteil à partir du pouce et vous allez tout simplement les scotcher ensemble, comme la photo que je vous montre ici. Donc vous allez tout simplement les scotcher ensemble pour pouvoir porter vos chaussures plus longtemps. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi de scotcher les deux orteils ensemble? Ça sert tout simplement, en fait, vous avez entre ces deux orteils, vous avez un nerf qui passe, et en serrant les deux orteils ensemble, vous allez tout simplement compresser le nerf et vous allez l'empêcher de, comment dire, de... En fait, vous allez empêcher en serrant les deux orteils comme ceci de tirer sur le nerf en étant debout avec les talons. C'est-à-dire que quand on est avec les talons, on a les pieds qui sont comme ceci et on a un nerf qui passe et qui tire sur le nerf. Donc, en fait, le fait de rapprocher les deux orteils ensemble, vous allez tout simplement compresser le nerf et je ne sais pas pourquoi ça s'explique, mais ça s'explique. Vous allez tout simplement empêcher le nerf de travailler et de vous faire mal aux pieds. Donc voilà, si vous avez des grands talons comme moi que vous adorez et que vous aimez porter toute la journée, parce que moi j'avais arrêté de porter des talons à cause des douleurs, ou alors je les portais vraiment vite fait, je faisais trois courses et je rentrais vite à la maison, ou alors je prenais toujours des ballerines avec moi dans la, ou une paire de baskets dans la... dans le coffre de ma voiture pour pouvoir les changer. Mais moi je trouve ça tellement féminin des talons que franchement j'étais vraiment malheureuse de plus pouvoir en porter. Et cette astuce-là m'a permis vraiment de pouvoir continuer à porter mes talons préférés, mes talons fétiches. Parce que comme toutes les femmes, j'ai une tonne de talons à la maison. Et c'est vraiment dommage de les regarder. Je trouve que c'est beaucoup plus joli de porter des talons sur une femme. C'est vraiment beaucoup plus féminin. Donc c'est vraiment dommage de les laisser dans leur placard. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour que je voulais vous parler. Et puis voilà, ça sera tout. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.